Bonsoir tout le monde, bienvenue ou sur TV Lakay Haiti.com et nous comptons avec vous pour nous continuer à informer et pour nous porter de nouvelles informations pour vous. Il y a un bulletin qui charge, qui bourré dans tout coin des informations que nous portons pour toutes fanatiques, toutes amis compatriotes et ben qui pas jamais lagué nous qui toujours été connecté sur channel ça. Gros point cap dominer actualité à mesdames et messieurs, faut que nous disons dans moment n'a parlé là. Eh ben gen un pile monde qui gétant gen l'espoir gen un pile monde qui a fait quelque content eh ben parce que gagné un avion militaire américain qui lui-même débarqué dans pays là eh ben avion ça débarqué gen un pile monde eh bien qui gétant a fait quelque content qui dit que pays a pral délivré qui dit que Haïti pral sorti dans insécurité et selon l'autre information que nous pral inviter ou découvrir en dans vidéo ça eh ben on l'autre citoyen qui confirmé que et dans 15 minutes là eh ben pral gagner yon l'autre quantité avion et qui pral débarquer dans pays et nous connaît force Kenya et qui là pour li installer dans pays là et qui là pour rentrer et gagner tout conseil présidentiel là et ben qui dit même et gagner pour installer dans jou k ap vini yo. Mais nous connaît nèg vivant ensemble qui yo même cementé pas gagner installation nèg vivant ensemble qui cementé pas gagner bagaille comme ça qui donc palais national c'est nèg ça qui met li c'est eux même qui diriger yo fait ça ou vle. Et ben force Kenya là cap balancer pour comment yo ta capable rentrer dans pays ya. Mais pour l'instant eh ben c'est un avion militaire et gagne l'autre toujours qu'après rentrer dans pays d'Haïti qui fait un pile monde gagne eh ben gros qu'est sauté. Est-ce que c'est une occupation ou bientôt est-ce que ces armes que ak munitions avion ça pral porter pour bandio en Haïti? En tout cas nous va inviter gagne plus de détails dans vidéo ça gagne tout l'autre grand point qui fait un pile monde et étonné c'est le fait que gagné madame président pays Kenya avec qui même t'a parlé avec un chef gang barbecue dans un vidéo call ou vidéo call parce que yo communiqué yo parlé et personne pas connaît qui ça qui dit et gagné monde qui gagné gros qui sauté est-ce que et yon force cap sorti dans pays pour venir dans pays pour venir craser gang et pour madame président pays ça rentrer dans question parler sous appel vidéo avec yon nan gang yo yon nan chef gang yo kap bay problème Haïti. En tout cas et c'est qui a sauté ça en pile monde gagne qui donc a posé question est-ce que vraiment ça cap fait là c'est pour délivrer pays ya, ou bien pour l'autre nèg yo régler les affaires. Nous va inviter au gain détail ou sous TV Lakay. Bon écoute tout le monde n'a tourner non nous connaissons mais j'ai entendu deux coups de balle. Ouais. Est-ce que vous voulez balle ou attendre deux coups de balle? Non, c'est un aéroport. Ah. Oui. Pas. Tu as besoin de quelques tonnes. Il y a quelques tonnes qui vont arriver. Il y a un cas de cas. Deux coups de balle. Les gens disent là justement, pour que ça va attaquer Kounia là. Oui. Et porte là. Oui. Attaquer avion l'armée américaine. Non, et porte là. Oui. Même pas moi c'est la difficile tout parce que selon non plus... non moi même pas vle on est campé dans style lâche pour porte bagarre ou et sous dans pourri gain force sous banane ennemi et bah vrai ça y c'est conteneur on va le mettre dans périmètre tout côté où tu négocier qu'on a pas entre côté sous casier caillou et ça on va le faire. OK bien bonne dans matin jodi a et grand avion actuellement qui toujours donc sur piste aéroport Toussaint Louverture, il y a un gros avion donc de gros avion militaire. Gros avion militaire donc de l'armée américaine US Air Force qui débarque maintenant donc dans aéroport international à bord d'avion donc des en pile militaire également monsieur descend en pile équipement. Maintenant quelle est donc la mission de ces militaires qui sont donc arrivés aujourd'hui? Panique dans le camp des bandits. M'a dit un bagage qui très important la remarque que j'ai faite. Depuis matin téléphone m'a sonné. Est-ce qu'on est Isaïe César, bien matin tout et capteur de nous là également Galette Gladimio. Un grand avion qui débarque là tout pour content. Oui. Oh mon cher. Pour pile monde, c'est souffle pour porter pour oui. OK, un grand avion qui débarque là, c'est tout pour content. OK, ouais qui sait que peuple haïtien besoin libérer tête li. Maintenant quelle est donc la mission de ces militaires qui sont donc arrivés? Soldats américains. Des soldats américains. Alors ils sont venus et dans le cadre d'une coopération d'opération, d'une coopération d'opération. Ok. Comment dit? Ils entrent dans cadre coopération d'opération avec la police nationale. Opération de coopération. Opération de coopération. Opération de coopération. Alors. Ok. Ok. C'est opération de coopération. De coopération. Vous avez dit ça? Yeah. Ça veut dire que et toute ça la police a gagné là comme
mission, comme opération. Donc, gagnons coopération avec de ces militaires américains. Avec américains. Okay. Comprenez bien, madame, monsieur. Yeah. Ok. Donc, ça dit que aujourd'hui, à la élection qu'on va faire sous conseil, là, nous allons regarder tout à l'heure. Ok. Demain, ok. Au plus tard, jeudi, conseil là a installé. Pour conseil là installé, quoi que. Il y a un dispositif de sécurité qui doit établir. D'ailleurs, le corps diplomatique qui gagne et toute ambassadeur là-dedans, yo ambassadeur américain. Nous on est ambassadeur américain, ça fait que sortir on l'autre côté qui gagne la guerre. Très bien, très bien. Qui connaît gros goumen. Ambassadeur américain ça. Maintenant on est là, fuck. Pour le vini, non, cérémonie. Faut que sécurité. Il va bien comme ça. Faut que sécurité. Côté cérémonie en fait. Palais national. Ok. Je parle avec deux membres du conseil présidentiel de ce matin. Rendez-vous tête droite palais national. Donc, élection en fait après-midi, donc à 3h. On a vu une question tout à l'heure. Mais dans le moment où on a parlé là, donc, il y a un avion américain qui est là avec des militaires américains qui arrivent, madame, monsieur, donc, à l'aéroport international, tout ce n'est pas. Alors, si on l'a dans le cadre d'une opération de coopération, ça veut dire que comme la police là actuellement engagée une bataille depuis pratiquement une semaine pour déblayer Chenmas là, ou du moins c'est pour empêcher que Bandio attaque par la nationale, et la police toujours présente donc sur place, et si installation il y en aura, c'est demain ou bien jeudi, la police a supposé sous place pour assurer sécurité là. Donc si c'est une et si c'est dans le cadre d'une opération de coopération, de toutes les façons, donc sous base ça, les militaires américains seront avec les policiers haïtiens, donc dans le cadre de dispositifs de sécurité que vous permettez donc pour l'installation du conseil. Ça pour nous comprendre, et me dire toujours dit. Et dire que pour toute demande de renseignement des journalistes concernant l'avion, veuillez leur demander de contacter searchcom.miami.scc.listcmd-public. Ok, affaire à commercial mail.mil. Très bien. Ok, by numéro. Et puis, il dit opération média. Opération média, très bien. Ça veut dire que. Et disposition, ça qui prend la raison, c'est pour un seul jour. C'est pas pour un seul jour. Non. Donc, si c'est pour. Écoutez, si c'était pour un seul jour, il va prendre disposition pour mettre un centre. Claire. Ok? Qui peut coordonner information pour les médias. Claire. Donc, son bagage pratiquement qu'il a pour le, et sur le long terme. Sur le long terme. Ouais. Nous t'avons toujours dit ici en émission à ce débat. Et c'est pas qu'on y a un militaire américain pratiquement sous sol là. Mais on t'attend que un gouvernement qui est établi. Ok? Puis on est capable de gagner assurance que y'a un papier quelque temps meilleur qui permet de rentrer. Ok? Et il y a un débat pour nous connaître, c'est que. Toujours, tu as trois options sur la table. Mais Gagnon qui peut épuiser. C'est l'option de la CARICOM, donc option conseil présidentiel là. C'est les mêmes qui peuvent épuiser parce que ça, c'est la carte de l'international purement et simplement. Comment que nous ne jamais connaît. La CARICOM, qui est-ce qui forme la CARICOM? C'est un projet de qui est-ce? La CARICOM, c'est un projet de monsieur, en fait, du prince Charles. Ok? Donc, c'est l'Angleterre, madame, monsieur. Qui mettait CARICOM sous pied. Et l'on dit l'Angleterre c'est maman mais papa États-Unis. États-Unis, Canada. Fon Gonzari, c'est très important. Hein? Mm-hmm. Et moi, que CARICOM, son mari qui l'a, c'est comme si les officiels de la Caraïbe qui mettaient tout ensemble. Pas comme ça. C'est Prince Charles, ok, son initiative du Prince Charles du royaume de l'Angleterre qui suggérait pour gagner CARICOM. Et l'on dit Angleterre ou dit États-Unis, ça très important comme remarque. Maintenant, États-Unis, Angleterre, il y a de gros enjeux là en Haïti. Est-ce que songe et Galette et ancien premier ministre qui était venu là, comment il est encore? Non, débat discussion, monsieur son britannique. En anglais, il était venu là peut-être ça. Rappelez-nous madame monsieur, ça gagne peut-être un an sous Ariel Henry. Dans cas de discussion qui était gagné donc entre partis politiques également Ariel Henry. Et il était venu là, pas son jeune monsieur, mais nous te parlé de lui donc à l'émission Matin Débat. OK? Donc en tout cas, on n'a pas regardé pour nous, mais ces militaires qui sont donc arrivés, ils ont fini donc dans le cadre d'une mission très spécifique. Donc ils ont fini dans le cadre d'une opération de coopération avec la police nationale d'Haïti. Donc la police actuellement très occupée avec la question de sécurité donc pour l'installation du conseil au niveau du palais national. Donc si on l'a Tony Blair. Tony Blair. Tony Blair. Yeah. Tony Blair.
Non, c'est pas. Pourquoi c'est monsieur qui est venu? Non, on l'a vu. Ancien premier ministre britannique. Non, c'est pas lui, même on l'autre, qui est venu. Son l'autre qui est venu. Très bien, ok. Donc, si à plat, c'est pour coopérer avec la police. Donc, demain, si installation est faite demain, au plus tard jeudi, nous allons regarder ce qui va passer dans ce mars. Maintenant, depuis Washington, nous gagnons Donald Philippe Saint-Aubin. Très bien. Donald Philippe Saint-Aubin qui a une information importante pour le partager avec nous là. Très bien. Nous allons parler avec Donald Philippe Saint-Aubin depuis Washington. Nous connaissons. Qui lui-même, lui, très impliqué dans la question information et sous plan international. Donald Philippe Saint-Aubin, qui s'est pas le passé, fait nous connaître exactement Donald Philippe Saint-Aubin, et nous besoin connaître exactement. Oui, les connexion avec, avec Washington. Eh. Donald Philippe, s'est passé. Saint-Aubin, je suis Donald Philippe de Washington, à parler avec nous, saluez nous. Gagné sous-marine américaine qui pourra débarquer dans le pays à la. Sorti! Disons dans 15 minutes. Gagné des porte-avions qui pourra commencer et rentrer dans le pays à la parce que. 15 minutes. La justice a fait à la nation haïtienne et selon le département d'État. Donald, on peut responsabiliser au Dibaï comme ça. 15 minutes, tout dit. 15 minutes, tout dit. Ça peut venir. Il y a près de 30 avions qui vont atterrir dans l'aéroport, tout ça, docteur François Duvalier, dans quelques instants. D'accord, merci en pile. Merci. Merci en pile, Kébila. Bon, en tout cas. Ah, il fait qu'il y a mon sauté là, non? Hey! Alors, ça pour nous remarquer, madame, monsieur. Pas grand coup de zam qui tire. Faut que je me dise que depuis quelques temps, l'aéroport est blanche. Oui. Ok, parce que chaque jour, monsieur, tu as tiré l'aéroport là. Ariel Ali. Okay. Ariel Ali. Et malgré Ariel qui était de honnête, il était continué à tirer. Correct. Ok? Il était même annoncé que Ariel Kavini, il était tiré. Pas qu'on coup de jambe qui tire. Eh bien, n'a pas regardé pour nous. On va regarder pour nous. Et c'est le patron qui dit qu'on va tirer tout? Ah. Patron, il faut que nous. Aïe, c'est que. Patron, il y a un patron international avec Haïtien. Aléa, monsieur Bandio, il a envahi par avec balle. Monsieur. Monsieur parlait en fait, policier qui n'a pas l'air, qui est GPN. Ah, qui est peut-être avec nous. En pile tombé. En pile tombé. En pile vient. En pile coup de balle tiré. Ok? Donc si monsieur au fond semaine, et presque deux semaines, a tiré sous parler, a goûté avec la police sous question parler pour empêcher l'installation conseil présidentiel là, nous allons regarder pour nous. Parce que l'installation est faite demain ou bien jeudi, nous allons regarder si il n'y a pas attaqué. Donc, policier. Et PNHO, également militaire américain capable avec eux. Nous allons regarder pour nous, madame, monsieur. Donc, en résumé, ça pour nous comprendre, c'est ou bien les États-Unis qui contrôlent le bandit pour dire, écoutez, descendons là, font-ils comme moi. Font-ils comme moi. Patron du campé. Nous clair. Parce que, pas oublier, papa haïtien, c'est madame Laline qui sont américaines. Pas oublier, sont américaines dans l'ONU. Parce que c'est militaire américain, on a parlé de militaire américain. C'est ou bien madame monsieur États-Unis qui contrôle bandit et que Bosso dit yo, monsieur font camper parce que blanc là nous river nous souterrain mettre font relax ou bien bandit yo plier que ou bien bandit yo plier que j'ai toujours dit et système yo mettez toujours abdou américain bagaille y a goumen contre américain oui très bien nous parlons ça et l'homme besoin ouais si y a goumen contre américain nous parlons ça besoin ouais si n'est cap goumen contre américain yo oui yo dit clair. Donc il y a beaucoup de côté américain. Donc nous allons pas regarder pour nous. Moi-même, okay? Ma bien caché l'embrouille. Moi-même dis américain, c'est le mal absolu pour le pays. Ok. Tout le monde me dit ça là. Ou tout dit. Clair que américain c'est mal absolu. Mais est-ce que je suis avec américain? Je suis force pour avec américain. Et non, je suis avec américain. Très bien. Même pas un examen pour avec américain. Très bien. Bon, en tout cas, corps diplomatique là, invité. Clair. Là, on fait une invitation à un diplomate. Qui a une sécurité, qui a une sécurité, c'est qu'il faut venir. À moins que si, gonga, si, comme si son pays, comme si comme ça, comme ça. Parce que pas oublier que lorsqu'un gouvernement invite un diplomate, ce pays a l'invité. Diplomate n'a pas qu'à venir. Clair. Et gouvernement, ça a une responsabilité pour déployer tout moyen pour assurer sécurité diplomatique. Mais diplomate, là, tout lui-même, lui gagne comme intérêt tout. Pour gérer tête li. Oui, la vie. C'est prolongement pays. Prolongement pays. Avec tout bataclan. Yeah. Qu'on est moins dit, nous cherchons, m'a cherché. Pas m'en dem sac vore dim. C'est fouille à porte moins. Eh bien, messieurs, dames, nous battons de m'pouze, même banouze.
madame président Kenya qui lui même c'est Rachel Ruto, eh ben oui maman Rachel parler avec Jimmy Cherizier barbecue dans Zoom gonne kadim ou pas ta believe that mbadou believe mbadou pas believe ça veut dire ça veut dire vous êtes vraiment dans les entraves et le mot n'est pas dans le dictionnaire. Monsieur, dame, nous pas mandé m'causer, m'a pas nous causer. Eh ben oui, m'a dit nous causer, Timon. Est-ce que nous songez, moi, ici, à m'te dit nous que madame président Kenya, lui-même, lui gagne, en pile, tiré réunion brillé. Lui t'a envie pour Haïti joindre, tiré réunion brillé, ça y réunion brillé, brillé, que par état brillé. Brillé, nous connaît que c'est brillé, ou connaît. Dans Jean-Baraï, là, il y a un niveau brillé pour gagner. Parce que Haïti pas bon, dit tout. Donc, comme Haïti pas bon, faut gagner un prière que fait sous nos pays. Faut gagner un prière que fait pour Haïti. Et là, j'en m'en prier ou lagué. Eh ben, c'est dans même cadre réunion prière, ça, eux, qu'a cherché fait sous nos Haïti, hein. Eh ben, gagner des rencontres qui fait, m'bral dit nous, sac dit dans rencontres, ça, eux. M'bral ba nous détails, puis seulement pas mettre m'nazé, pas citer nom. Pas jamais dit, c'est moi qui dit nous, gros, m'connais nous. Nous-mêmes, mon ici, nous connaissons. Eh bien, messieurs, dames, pasteurs dans le pays Kenya, yo remet prier, y'a prié pour Haïti. Faut me dire, nous, madame, président Kenya, son monde qui remet prier, l'empile. Prière, dame, nous connaissons les méchants dans la zone, lui remet prier. Eh bien, pasteurs, ça, yo, ça, y'a prié pour Haïti. Dirigeant pays Kenya, yo, pas dit rien publiquement. Sous cause de fausse sécurité, que yo envisagez, voyez, en Haïti, qui ravagé par gang, yo. Mais y a pas l'empile avec mon Dieu. Eh ben, moi, passé, hein, pendant que y a des groupes armés, qui ont même intensifié insurrection, y a fait n'importe où, Port-au-Prince, et plongé Haïti dans le chaos total où est là, et en crise humanitaire historique, eh ben, y a des pasteurs en même, qui a conseillé le gouvernement pays Kenya, qui les même y a un pasteur qui conseille, le gouvernement baisait en pile brillait, pas oublier pays Kenya, son pays, ça qui très très chrétien. Son pays a 82% chrétien, oui, Timoun. Oui. Et puis, protestant, ou en pile. Ça a dit, pasteur, ça m'aime, qu'on s'a causé, a dit. Pasteur, très influent, et madame président Kenya, a remis pasteur en pile. M'a qu'on soutenu Sam Abdoula, Patrick Pierre, Zami, pas mes 3 heures de ce live. Moi, salut, ou pas bien fait saisir, c'est pas beaucoup bon moment à cause de gâte,